50 kilos pêchés dans le casier. Si on t'a raté, c'est la chance. La prochaine session. Si on t'a raté, c'est la chance. Tu vois, là, ils vont se faire la passe. Tu vois, le Nino, il a fait son bail. Bim, il laisse la crime s'incruster. Hey, salam alaikum, mes très chers abonnés, on se retrouve les amis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, ça sera une première écoute, pas du tout, je vous emboucane. C'est une 50e écoute, frère, voilà. Je l'ai saigné ce son pendant 2 semaines, je crois. Je faisais que de l'écouter. Bon, le jour de la sortie de Repro 4, j'ai fait la réaction, première écoute sur tout l'album Repro 4 pour ceux qui l'ont pas vu. Qu'est-ce que vous attendez? Je vais vous mettre le lien, premier lien dans la description et aussi dans les commentaires si vous voulez. Voilà, vous cliquez sur le lien, vous avez toute ma réaction sur Repro 4. Oh, ceux qui n'ont pas vu, vous avez raté, voilà. Bref, donc on a même réagi sur Dadinho et la crime. Là, c'est le clip, il y en a qui m'ont demandé de le faire, du coup on va le faire. Et voilà, c'est loin d'être une première écoute, c'est une réaction, mais plus là pour le clip. Tu as compris, on va évaluer plus le clip parce qu'on a déjà parlé du flow, des lyrics et de l'instru, etc., etc. Bref, je vous cache pas que c'est pas moi... Pour moi, c'est pas le meilleur featuring. Le meilleur featuring reste George Boston, le featuring avec Maes. D'ailleurs, il a cartonné et tout. Je crois même maintenant, il est toujours dans le top 50 Spotify France, je crois. Mais sinon, voilà. Nino, la crime, deuxième connexion, je crois. Voilà, léger, léger. Le premier, je crois, c'était sur Repro 3. Et là, c'est Repro 4. Et prochain album, je sais pas quand il va sortir. Est-ce qu'il va sortir un album mixtape cette année? J'en sais rien, mais j'espère que ça va être un truc bien, genre voilà. Et voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va commencer la réaction, les amis. Juste avant qu'on commence, pour ceux qui sont pas encore abonnés, abonnez-vous, faites pas les crasseurs, activez la cloche, mettez-moi vos plus gros likes. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Genre là, ils sont en train de tailler du collège ou je sais pas où, lycée, un truc comme ça. Et genre, c'est un Renoir et c'est un arabe. Genre, ouais, illustration de Nino la crime. Attends. Ah, voilà. J'ai eu peur. Dans la miniature, il y a Nino et la crime, tu vois. Même dans le teaser, il y a Nino et la crime. Là, je vois que des petits. Je me dis, non, ça va pas être une illustration 100%. Mais voilà. Je voyais bien un petit décor comme ça dans ma tête, hein, voilà. Je sais pas si c'est tourné où d'ailleurs. La crime est tout le temps à Dubaï. Nino, je crois pas qu'il part à Dubaï. Même s'il part à Dubaï, on va pas en savoir plus. Il n'a pas trop sa vie, tu vois. Il est un peu discret sur les réseaux. Et voilà, voilà, chacun a sa manière de faire. Et du coup, voilà, je sais pas où il est tourné ce plan, que ça soit à Paris ou à Dubaï. Mais le plus important, c'est qu'il y a un rendement visuel, voilà. Là, il y a un premier plan, la crime, voilà. Ils sont assis, tranquilles, bien sapés comme jamais. Et voilà, Nino qui commence. Maman me cherche partout. Bon, on va re-analyser vite fait les lyrics, voilà, tu as compris, une histoire de faire des petites coupures, voilà. Et voilà, que la vidéo ne soit pas bloquée, tu as compris. Et voilà, voilà, mais maman me cherche partout, voilà. Il va dire, j'étais refait de la tête aux pieds. Genre, il parle de son train de vie quand il est petit, genre à mon âge ou peut-être encore moins jeune. Comme là, il le montre. Et genre, il vesquille un peu l'école et tout, tu vois. Des choses qu'il conseillerait pas son fils à faire du tout, tu vois. Mais voilà, il y a des bêtises et tout le monde l'en a fait. Et du coup, voilà, ça parle un peu de vécu. Mais je crois que c'est vrai quand même. Parce que la crime, c'est un bandit vite fait. La semaine d'après, on fait quand t'es topé. C'est le moment où ça tourne mal. J'ai gardé le temps. Tu vois, Nino, il aime trop jouer genre avec la prod et tout. S'imposer, faire des petits rimes, changer de flow. Nanana, 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 nanana. Tu vois, tu t'attends même pas. Un bisou, un câlin, je vais dormir. Nanana, nanana, avenue des Champs. Je suis pas rond, j'en nettoie et je dois l'un. Ah voilà, ce mec il est trop fort, hein. Je dois vous avouer quand même que ça reste quand même 2019-2020 meilleur rappeur, hein. 2021 reste à confirmer, reste à sortir un album et de tout exploser comme il a fait avec Destin et Mills 3, voilà, deux projets incroyables, rien à dire. Et voilà, la crime aussi, hein, il fait toujours partie des top 10, on va dire.
pour moi, ça reste mon avis personnel. Il y en a pour eux, la Crime c'est le meilleur rappeur, Nino c'est le plus nul. Bref, voilà, tu vois, c'est selon les gens, mais selon moi et selon les chiffres, tu vois, même les chiffres sont avec moi quand même. Hein. Selon les chiffres, Nino c'est le premier, je crois. Lui et Jules. Donc voilà, que ce soit les ventes, des trucs comme ça et tout. Bref, la Crime il a pas trop beaucoup vendu, ouais. Il a un peu galéré pour faire disque d'or. Je trouve ça dommage pour un album pareil, frère. Il y avait pas mal de trucs de drill. Il y avait des trucs comme Penelope Cruz, tu vois, trucs un peu romantiques, un peu posés. Voilà, il avait un peu varié sur l'album et voilà, je trouvais pas mal. C'était l'un des meilleurs, on va dire, en 2020. Et pff, disque d'or en 4 mois, un truc comme ça, donc même pas platine. Voilà, voilà, c'est vraiment dommage. Donc voilà, on continue. Tranquille. Les pirates, je connais la mer, je connais bien la mer, je connais bien le nord, je connais bien la BR, je connais bien le nord, la chimique de mes dents. Je connais la BR de, qui vient du nord, un truc comme ça, qui vient de Meda, donc voilà. Il parle un peu des trucs illégaux. Ok, je sois banalisé, piste est analysée, personne va t'indiquer, un chemin pour nous niquer. Dadinho. Dadinho, c'est pas le personnage de. Comment il s'appelle? Ah, je l'ai plus le. Oh non, le film, voilà, j'ai plus le nom, bref, voilà. On va continuer. Tu sais, j'ai mon index sur le brolique. Je suis dans l'audi dans le 3 litres. Les fils de pute sont en panique. Même la Crime, mon frère, voilà, toujours là. Depuis longtemps dans le game, mais là, voilà, il. De temps en temps, il lâche des petits freestyles. Il dit que je suis toujours là, là, voilà, petit couplet, tranquille. J'envoie la coque comme la bolide. Mon nom écrit en italique. Sur le navire du Titanic. Mais c'est la plus belle des hispaniques. Mon nom écrit en italique. Sur la nananananique. Bon, ouais, c'est pas moi. A la fin, il en restera qu'un. Des fils d'Ep non déclarés. Sans croire que tout est carré. T'inquiète, je suis préparé. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Tu vois, des trucs, je fais même pas attention quand j'écoute. Mais là, quand j'écoute avec vous, c'est obligé. Sans croire que tout est carré. Il a dit quoi juste avant? Des fils de nanana, qui te font croire tout est carré. Des fils d'hommes non déclarés. Font croire tout est carré. T'inquiète, je suis préparé. On a pas le temps de boire tout café. Tu le sais. Ils ont volé un poste, mon frère. Voilà, même au bled, c'est un truc de fou, ça. Voilà. C'est... Wesh, les postes, ça date, mon frère. C'est bon. Ça, c'était en 2010, frère. Ouais, après, ouais, c'était à leur époque. Donc, à l'époque de Nino et la Crime, quand ils avaient cet âge-là, c'était possible. Mais maintenant, vendre des postes, et la plupart, ils sont incrustés, tu vois, tu peux pas les enlever. Mais voilà, péter une vitre pour ça. Voilà, pff, laisse. Moi, j'ai une anecdote, genre, on s'est fait péter une voiture. Genre, c'était une Citroën et tout. C'était garé, je crois, c'était, je sais pas, voilà, on va pas juger qui a fait ça. Genre, voilà, je vais pas dire. Parce que je sais pas. Mais les habitants de là-bas, ils sont connus pour les vols et tout. Mais nous, on a fait des gags, on a dit, ouais, c'est une vieille voiture, on va pas toucher. Ouais, ils ont cassé la vitre, mon frère. Ils voulaient arracher le poste, il était collé. Ils ont fait quoi? Ils ont ouvert le capot, ils ont pris la batterie, mon frère. La batterie, ils ont pris. Oh, c'est des ouf. Voilà, c'est des ouf. Bref, ils lâchent rien. Même des trucs à 5 euros, ils les prennent. Et voilà, voilà. Ok chef dans la cité, pas besoin de publicité, personne va nous niquer, qui va se faire allumer, tu sais. Bang. Après la Crime, je trouve voilà, marketing, il en a dans la caboche, tu vois. Il a pris les sons qu'ils ont plus déchirés, tu vois, comme Chang avec Maes, le clip et tout, George Boston. Là il a pris Chang avec Nino, il a clippé Vegeta le jour de la sortie. Voilà, des trucs propres. Franchement, voilà, ça passe. Mais je voudrais quand même entendre un morceau de reel entre les deux. Parce que franchement, attends, les deux, on rajoute qui? Alors, on rajoute Hamza, tu vois. La Crime, Nino, tu vois. La Crime, Nino, Hamza sur un morceau de reel. Gazo, tu vois. Oh, ça, c'est, ça doit être le combo de fou malade. La Crime, Nino, Gazo et Z sur un même morceau. Pas Z, qu'est-ce que j'ai? Hamza, putain. D'ailleurs, Hamza, c'était incroyable, la petite... On l'a appelé mixtape, mais lui, il a dit que c'était un album. Voilà, mais elle était incroyable, mon frère. Full drill, mais pff, il a géré tout ça. Je finis, c'est moi, je me sens du père. À l'époque, le Clio 3 faisait que des hommes. Je suis sorti à 20h à 8h. Petit refrain. Bon, le clip, sans mentir, il n'est pas très très ouf. Il y avait 2-3 plans vite fait qui étaient tournés de la Crime et Nino, tu vois.
Après le reste, voilà, c'est illustration de des paroles et tout, quand ils étaient enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc., etc. Voilà, le vol et tout, des trucs pas bien, tu as compris, voilà. Mais bon. Ah, tu m'emboucanes, me dis pas lacrime à toi. À cet âge-là, t'avais un Brolic sur toi. Non. Oh, tu es un bandit, mon frère. C'est l'enfant sur mon cœur comme sur tous mes billets. Mais c'est moi, je me sens hyper à l'époque. Le client trois faisait que des hommes. Je suis sorti à 20h à 8h des espèces. Ouais, franchement, c'est des voyous. À cet âge-là, déjà, tu touches. Oh putain, incroyable. Moi, j'ai jamais touché. J'ai 18 ans, j'ai jamais touché un truc. Donc si c'est vrai ça, ils ont touché à cet âge-là. Après, ils ont touché, voilà, c'est pas si grave que ça, mais ils l'ont utilisé et tout. Ça, ça va loin quand même. On fait la tête aux pieds. Bon, là, Nino, il va enchaîner les bails, voilà. Tu vois, le flow même, ça j'aime. Écoutez, écoutez. De quoi remplir tout le sac et se casser sans penser aux conséquences. Dès qu'il a péché dans le casier, si on t'a raté, c'est la chance. La prochaine session. Si on t'a raté, c'est la chance. Tu vois, là, ils vont se faire la passe. Tu vois, le Nino, il a fait son bail. Bim, il laisse la crime s'incruster. Tu vois, c'est comme, je sais pas moi. Ça, c'est très très bien. Tu vois, vous faites une collaboration. Il y a un refrain fait ensemble. C'est très très bien. Après, chacun son couplet. Après, vers le milieu, à la fin, vous faites des passes comme ça. Tu parles, bam, bang, et l'autre, il reprend, bam, bang, tu vois. C'est pas mal. J'aime bien ça. Combien de bonhommes nous se sont dépassés. La juge nous prête le gosse. Qu'on parle que je peux les enlacer. Ces fils de pute, ils nous prennent même nos lacets. Ils nous prennent même nos lacets. Ah ouais, en même temps, toi aussi, frère, à ton âge, tu voulais des postes. Bref. Mais voilà, il a dit, les juges nous privent de nos enfants, un truc comme ça. De nos gosses, je crois la crime, c'est pareil, un truc comme ça, il est divorcé. Je sais même pas, en vrai, je sais même pas s'il est vraiment divorcé parce qu'il parle pas trop de ça. Mais voilà, j'ai vu une fois, il a invité son fils. Ouais, je crois, il est divorcé, un truc comme ça. Parce qu'il vit à Dubaï et son fils, il est venu le voir et tout. Voilà, j'ai vu une vidéo, elle m'a touché vite fait, mais voilà. Genre, ouais, la crime, il a le droit de le voir une fois par semaine, un truc comme ça. Et voilà, c'est chaud quand même de ne pas être auprès de ses enfants et tout, de grandir avec et tout. Pas de tes enfants, ils grandissent avec toi, tu as compris. Mais voilà, voilà, c'est pas mal. Voilà, niveau lyrics, c'est clean. Voilà, comme je vous ai dit, vécu, truc réel. Voilà, ils s'inventent pas une vie. Après, je sais pas. Hein. Tu vois, le truc de quand ils étaient enfants, on peut pas savoir vraiment. Mais on va les croire quand même. C'est grave, faut que je passe au masque, ramenez-moi, alors pas à moi, je tourne la page. Petit frère fait bel écho au piège, le plus important c'est le... Oh là 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 là, il se partage le grec, tu vois, ça c'est vrai, ça c'est des vrais collègues ça. Le prix touche pour compter les billets pour le pistache, y'a pas d'âge, c'est max casque, ouf, en balade, laisse-les parler de WAM, quand je suis pas là, je suis pas là, quand je suis pas là. Pff, rien à dire, hein, franchement, léger. Avec une putain devant la télé, je donne pas mon cœur, et même une poignée de rouge. J'ai mon putain caché qui n'est pas déclaré. Et quelques bons amis qui savent trouver le dos. Que du Sahel, que du précis, toujours prié dans la Tessie. Que du Sahel, que du précis, toujours prié dans la Tessie. Y'a quoi là? Oh, motocross ou quoi? Tony Montana, tu pèses, on a du niqué des mères. Quand tu vas s'acheter dans le dressing. On a du niqué des mères pour des verres assis dans le dressing. T'as raison. Cherche partout, je te reviens d'après. On fait la tête au pied. C'est le fond sur mon cœur comme sur toutes mes billets. C'est bon, je l'ai dans la tête. Il m'a fait un rappel, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Mon cœur comme sur tous mes billets. C'est moi, je m'en sens mes pères à l'époque. Le client en faisait que des accoups. Franchement, c'est clean. Dadinho, là, je crois que je vais le remettre vite fait dans ma playlist. Il me donne envie. Bax. Attends, il a pas lâché un Bax ou je rêve? Attends. Bon, ils se font choper par la police et tout. Les petits gosses, a compris. Les petits bêtises, on a compris. Mais il a pas lâché des Bax. Mais il a lâché au milieu du morceau quand même. Donc, voilà les frères. Vous avez vu, hein? C'est léger Guy. Ça fait longtemps que je l'avais pas écouté. Là, je kiffe. Tu l'as pu remarquer quand même dans mon visage, dans mes expressions ou voilà, tu vois. Tu as suivi les bails et du coup, ouais, je crois que je vais le remettre dans ma playlist en 2-2.
On va se le réécouter. Parce qu'en ce moment, je sais pas. Si vous voulez vraiment savoir ma playlist, il y a quoi dedans? Il y a Hamza. Il y a un peu du rap marocain. Je vous cache pas. Rap marocain, je m'intéresse beaucoup en ce moment. Il y a pas mal de choses. Il y a Hamza. Il y a la dernière sortie là. Un peu ACH. Il y a qui d'autre? Oh, je sais pas, frère. J'ai pas en tête. Il y a Longi Kobalade. Tu vois, prends ta paye. Ça, il y est dedans. Nino problème du matin, ça fait 5 ans il est dedans et il sort pas, frère. C'est j'ai trop kiffé ce morceau. Bon, il y a d'autres musiques, j'ai plus en tête. Dites-moi si ça vous intéresse de faire une vidéo genre où je vous montre ma playlist et tout. Voilà, c'était la réaction sur Dadinho. Oh, le clip il est clean. Franchement, on était là vraiment pour le clip. Je suis parti un peu à droite à gauche, j'ai raconté quelques anecdotes, mais voilà, tu vois, ça rentre dans la vidéo. Et voilà, le clip, franchement, je remets un petit c'est pas un truc de fou, mais je mets un petit 8. 8 sur 10 pour le clip. Et le son aussi, 8, 8,5. Voilà. Ça reste clair et net. J'espère que ma réaction vous a plu. Si c'est le cas, ne s'en rend pas de liker, de s'abonner, d'activer la cloche. Vous connaissez les bails. Je vous attrape dans la prochaine vidéo. D'ici à la prochaine. Bye Banks. J'ai baissé la vitre, rassuré la mime. J'ai changé de vie. J'ai changé de vie. Y'a rien qui est acquis. Des fois t'es l'abîme. Tu perces la vie. Tu perces la vie. Les caméras filment, mais j'ai pas envie. Dévoiler ma vie. Dévoiler ma vie. J'ai changé d'avis pour changer l'avenir, des années à venir.